aujourd'hui, on est là avec des jeunes du collège de Bégoulia pour un atelier, en fait, dont le but, en fait, de plus les orienter. C'est l'objectif. L'objectif, c'est l'orientation, en fait, de ces jeunes avec un support qui est, en fait, le montage, donc la construction d'un mur en pierre sèche. Lorsque l'Office de l'Environnement nous a contactés pour accueillir sur place donc, ce chantier du programme européen Grid Access, on n'a pas hésité une seconde puisque justement c'est des programmes qui sont en lien avec le patrimoine, donc le patrimoine, l'éducation, puisque ce sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire qui viennent réaliser le chantier que l'on peut apercevoir derrière moi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de sensibiliser des jeunes à ce genre de métier parce que peut-être que plus tard ils viendront s'installer ici, travailler la pierre. Nous par exemple sur Pinte, un village classé, c'est que des toits en lauze et on sait que c'est un savoir-faire qui se perd. Donc c'est vrai que la démarche est intéressante pour nous. On m'a proposé un stage d'immersion pour fabriquer un mur en pierre sèche à Pinte di Gazinc. Tout au long du stage, j'ai appris comment les mettre. En fonction des angles, si pierre couronnement, pierre fondatrice, pierre de drainage, etc. Ça m'a plu, je ne pensais pas faire ça au début et j'en ai jamais fait des murs en pierre sèche ni des murs tout court. Et ça m'a appris à faire un mur si plus tard j'ai besoin d'en faire un chez moi. Je vais savoir le faire. Comment le faire et avec quoi le faire.